Salut à tous, c'est Jean-Laurent. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en Wi-Fi avec que des Never Use, donc c'est intéressant. Pour le Never Use Challenge, j'ai perdu lors de l'épisode 4, mais je ne l'ai pas mis en ligne. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai perdu lors du premier combat, donc je ne voyais pas l'intérêt de mettre une vidéo de 2 minutes. Donc là, on est parti pour du combat Wi-Fi avec des Never Use, donc ça va être intéressant. Donc j'ai pris un peu du mix, hein, comme vous pouvez voir. Un peu de tout. Donc j'ai testé cette team. Donc j'ai gagné contre une fille qui avait pris Coatox. Elle avait Alligator et je ne sais plus. Donc c'est sympa. Donc là on va voir l'équipe qu'il a. Ok. Que du overuse quasiment, sauf Ronflex. Donc ce qu'on va faire. Florizarre. Donc déjà, c'est compliqué. On va prendre Ammonistar. Ensuite, Dodrio fait mal à personne quasiment, donc on va pas le prendre. Coatox va être intéressant. Et puis, et Galopa, Choice Bander, on ne sait jamais. Bon, faut pas oublier que j'ai que des Never Use. Lui, vous pouvez voir sa team, ça calme tout de suite. J'espère aussi que la vidéo va tenir puisque j'ai plus que 6%. Donc j'espère. J'espère aussi que vous m'entendez bien puisque je suis dans mon appart à Saint-Etienne et ça résonne pas mal. Donc je vais essayer de faire ce genre de vidéo plus souvent. Les combats en Wi-Fi, c'est même plus intéressant de jouer contre une vraie personne que la maison de combat où c'est overcheaté. C'est un peu abusé, donc là c'est plus intéressant je trouve. Donc on est parti. Avec ce joueur qui était, je crois qu'il est chinois, je sais pas, j'ai pas bien vu. Alors, je dirais Ectoplasma en premier. Ou Florizarre, un des deux. Oui, l'écran est tout noir, c'est normal. Alors, je pense que ça va être Ectoplasma. Et c'est... Ok, c'est Fulguris. Type électrique, donc c'est génial. On se fait couiller correctement. Donc, j'ai même pas envie de switcher parce que j'ai rien qui peut tanker, donc je vais placer une exuviation. Voilà, changer clair. Donc lui, il me fait très très mal. Ok, il est Choice Specs. Ok. Enfin bon, déjà un Fulguris Shiny, ça veut dire que c'est un peu du cheat, puisque le mec, à mon avis, l'a trouvé sur tout près sur un site ou un code, je ne sais pas. Donc on va voir qui il va envoyer. Et il envoie Léviator. Donc nous on va envoyer Galopa, parce que Galopa a éclair fou qui met x4 à Léviator, donc bien entendu je suppose qu'il va méga évoluer, mais éclair fou reste notre meilleure attaque. Et il est mort, à moins qu'il ait la ceinture force. Parfait. Ah, il avait le casque brut, ok. Ok. Ensuite, donc là, il va envoyer son Fulguris. Il va nous taper Change Éclair. Donc, je peux pas switcher parce que même avec Change Éclair, il nous tue. N'importe qui. Donc, on continue sur Éclair Fou. Il est plus rapide, sûrement. Parce que c'est un Pokémon très cheaté. Voilà. Bon, moi, je trouve ça vraiment minable, les joueurs qui utilisent des Pokémon qu'on voit tout le temps. C'est un peu chiant. Là, le gars, il avait Léviator, Ectoplasma, Florizarre. C'est tout le temps les mêmes. Vous allez voir, si on en fait plusieurs, vous allez remarquer que c'est tout le temps les mêmes. Donc là, on va faire Kuba. Puisque c'est notre seule attaque. On lui fait rien du tout. Mais rien du tout. Donc là, la seule chance de pouvoir gagner, ce serait de lui faire un... Bon, allez, on va faire direct toxique. En espérant être plus rapide. Et il est plus rapide. Donc en fait, il était Choice Scarf plutôt. Mais c'est étonnant qu'il ait tué mon Ammonistar d'un coup là. Voilà, donc première défaite easy pour nous, donc lui tranquille. Donc on enchaîne avec un deuxième combat qui, je l'espère, sera plus original que sa team qu'on a vue là, parce que c'est un peu chiant. Donc, deuxième combat et dernier. Cette semaine, je ferai plusieurs vidéos de ce genre.
Donc il y aura également une ouverture de booster. Et puis le nouveau concept en fin de semaine, comme d'habitude. Alors, sur qui on va tomber? Donc là, Dodrio, vous pouvez voir ma team, elle est assez cool, j'aime bien. Bon, c'est que des Pokémon offensifs. Hein. Il y a vraiment zéro Pokémon défensif ici. Encore un japonais. Les japonais, j'aime pas du tout, hein, personnellement. Ok, donc là, il nous annonce la couleur. Donc, Méga Gardevoir sûrement. Cravarèche et Gamblast. Alors. Là, c'est compliqué. On va mettre Galopa en premier. On va mettre Ammonistar en deuxième. Et puis Dodrio en troisième. Non. Ampiflore. Ah, je sais pas. Non, allez, Dodrio. Pour le fun. Donc, ne me dites pas qu'il réfléchit parce qu'il a que 3 Pokémon. Donc, soit il se fout de notre gueule, soit il a envie qu'on abandonne pour qu'il se tape une victoire. Ah, bah voilà, quand même. Donc, à mon avis, c'est un joueur assez fort parce que c'est pas commun de voir 3 Pokémon d'un coup. Donc, il nous rabaisse en nous disant, voilà, tu vois ma team, mais je vais quand même te niquer. En gros, c'est ça. Je pense. Hein. Alors, Flingouste. Shiny, ok. Galopa, qui va taper. Alors, il y a Chasebander, Galopa. Donc, est-ce que Éclairfou le termine? Ce genre de Pokémon est souvent joué avec veste de combat. Donc là, j'anticipe le Vibraquois, mais je pense pouvoir le one-shot avec Éclairfou. Je pense, on va voir. J'espère. Oui, c'est superbe. Donc, maintenant, son prochain Pokémon va être Gardevoir ou Cravarèche. Cravarèche. Type Poison et Dragon. On va lui faire le plus de dégâts possible à Cravarèche. Hein. On va lui faire le plus de dégâts possible pour le terminer derrière avec, je ne sais pas, j'ai pas grand-chose. Ouh, il résiste bien. Et il nous empoisonne. Donc là, il va nous terminer. Très simplement. J'espère qu'il va pas se placer. Ok, il fait Bomber, c'est parfait. Donc au revoir Galopa, tu nous auras bien servi, merci beaucoup. Et donc là, on va pouvoir envoyer Ammonistar qui va se placer. S'il est Choice, c'est parfait puisqu'il reste bloqué sur Bomber et on peut se placer avec une Exuviation. Donc Exuviation. Donc là, il va l'anticiper, logiquement. Donc là, de toute façon, il est obligé de rester, c'est logique. Là, l'herbe blanche va remettre mes défenses à la norme que vous voyez en baisse. Là. Donc on augmente l'attaque de 2 crans, l'attaque spéciale de 2 crans et la vitesse de 2 crans. Et on n'a aucune perte de stats. Ok, il fait Bomber. Il veut le poison. Ouh, il fait très mal. Il est choice, à mon avis. Et il a le poison. Ok. Donc ça, c'est de la... Je vais pas dire de la moule, mais presque, hein. Donc on va lancer le petit laser glace des familles qui va le terminer, je pense. Ce Pokémon a une grosse défense spéciale, donc c'est pas sûr. Et c'est du x2. Eh oui, ok. Bon, il reste plus que Gardevoir, qui est sans doute la méga. Et derrière, on a Dodrio qui est Scarf, donc qui va logiquement dépasser Gardevoir en vitesse et qui va pouvoir le terminer si on lui fait le max de dégâts possible. Donc on va mettre un bon ébullition. Donc il calque le talent glissade, c'est parfait. On va lui faire ébullition, pourquoi pas avoir le burn. Ok, donc il est bien méga, c'est ce que je pensais, logique. Très stylé en shiny, hein. Donc, peut-on avoir le burn? On lui fait très mal. Il fait mégaphone qui nous finit. Ok, et c'est là que j'interviens. Dodrio, très très bon pour terminer les Pokémon des autres. Donc là, soit on le termine avec Rapace, soit on le termine avec Giga Impact. Donc j'ai envie de jouer le fou. Je mets Giga Impact. On a 5% de chance, je crois, ou 10, de rater Giga Impact. On va voir si on le rate. Voilà, très belle attaque. Très belle attaque et on le termine. Boum. Et voilà.
Donc c'était bon, premier combat basique. Deuxième combat, on voyait un peu plus de Pokémon Cravarèche, on le voit pas souvent. Gamblas non plus, mais bon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour un autre combat de Neverused, mais cette fois-ci en Wi-Fi. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!